Et bien salut tout le monde, c'est Zepekinho Foot, comment allez-vous? Moi je vais motherfucking bien, j'espère que vous de votre côté ça va super bien aussi. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Un nouveau squad builder, un squad builder hybride, tout simplement, qui envoie de la patate, qui casse du cul sur multijoueur. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et juste avant de commencer ce squad builder, j'aimerais vous dire que j'envoie cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires FIFA, donc voilà, merci à vous d'avance. Si jamais vous m'uploadez, ça m'aiderait à atteindre les 2000 abonnés et ça me ferait super plaisir. Donc voilà, ça sera un petit peu ma récompense pour cette vidéo. Donc sans plus tarder, commençons ce squad builder. Donc j'irai faire un petit match à la fin pour montrer un petit peu les qualités de cette équipe, bien évidemment. Et puis voilà, donc on commence par la base de cette équipe, c'est-à-dire le gardien, donc Petr Cech, record breaker. Donc je crois qu'il a eu cette carte parce qu'il a fait plusieurs clean sheets d'affilée. Donc voilà, ça date de début janvier. Donc voilà, dites-moi si c'est pour ça qu'il a eu sa carte, mais je crois que c'est pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger si jamais c'est pas le cas. En back gauche, je vais bien évidemment parler de Kurzawa. Donc Kurzawa Inform, donc je crois que c'est sa seule carte Inform qui est sortie. Donc 82 général, vraiment très solide. Voilà, lui, c'est le futur tout simplement back gauche de l'équipe de France, titulaire. Voilà, le mec est trop fort. En charnière centrale, lui aussi un Français. Je vais bien évidemment parler de Aymeric Laporte. Le mec, trop chaud quoi. C'est un 94, regarde sa stat en défense, 86. Qu'est-ce que ça sera dans 4 ans? Le mec sera trop chaud. Donc j'espère qu'il va aller dans un grand club. Parce que bon, déjà, Athletic Bilbao, c'est bien, mais ça joue l'Europa League. Donc voilà, lui, ça serait bien, une petite équipe de Champions League, tu vois, petit Barça, petit, tu vois. Et ce serait bien qu'il soit sélectionné en équipe de France. Parce que bon, Mangala, ça va 2 secondes, mais bon. Voilà, après, il y a des jeunes talentueux comme ça qui sont pas sélectionnés. Ça fait un petit peu chier. Après, Koscielny, voilà, 78 de vitesse. Donc voilà, d'après certains, le meilleur défenseur de BPL. Bon, moi j'irai pas jusqu'à là, mais il est pas mal. Donc voilà, je vous le conseille. Et en back droit, je vais bien évidemment parler de Hector Bellerin, qui joue Arsenal lui aussi. Voilà, le mec est trop chaud, 95 de vitesse. Bon, il s'est fait casser ses reins par Douglas Costa en Champions League, mais c'était quand même Douglas Costa, le mec est trop chaud, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, Bellerin, c'est pas mal. Lui aussi, c'est un futur de l'équipe espagnole, je pense. Donc voilà, très très grand avenir. Alors après, on va parler des milieux. Je vais bien évidemment parler de Yaya Touré. Un mur, tout simplement, plus besoin de le présenter. Alors, en milieu central, je mets Gonalon. Donc, pourquoi Gonalon? Tout simplement pour... Donc, ici, c'est pour le collectif, avec les deux défenseurs centraux. Et avec le troisième milieu central que j'ai mis, c'est-à-dire... Matuidi, voilà. Donc, Matuidi, plus besoin de le présenter. Le mec a 25 poumons, le mec est trop chaud, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Gonalon. Sinon, vous pouvez tester avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et puis, maintenant, on va rentrer avec les attaquants. Donc en 10, en MOC, moi j'ai mis Angel Di Maria. Le mec est trop fort, tu vois ce que je veux dire. Pas besoin de parler de lui, tout le monde le connaît. Et maintenant, les deux attaquants. Voilà, l'attaque c'est du lourd. Je vais tout simplement parler de Ibrahimovic. Voilà, j'espère qu'il va faire du sale aujourd'hui contre Chelsea. Parce que alors, je vous enregistre cette vidéo. Il y a Chelsea PSG ce soir. Hein, donc j'espère qu'il va clouer des becs. Parce qu'en ce moment, il est chaud. Mais on va voir si en Champions League ça suit. J'espère pour lui en tout cas. Donc voilà, plus besoin de le présenter lui aussi. Et le Agüero. Donc voilà, ça c'est l'ancienne version du Agüero, parce que j'ai pas la nouvelle. Mais si vous avez le nouveau Agüero 88, c'est pas mal aussi. Donc voilà, lui aussi, plus besoin de le présenter. Il est trop fort. Dommage que c'est un peu un Gourcuff 2.0. Il est tout le temps blessé. Mais sinon, franchement, attaquant de ouf. Plus besoin de le présenter lui aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit squad builder vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vos avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, tout simplement, je vous laisse sur les meilleures actions du match. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous.